J'ai entendu dire que tu jouais à Magic. Oh shit, j'ai un cadeau pour toi. Quiz était plus... Quiz. Ça a-tu rapport avec Magic? Non! Wow, quiz, c'est une fée. Quiz, c'est une fée. C'est quoi? Je sais même pas quoi faire. Eh ouais, j'ai acheté un vieux paquet. Ça fait longtemps. J'étais aux États-Unis, j'ai acheté un paquet. Puis là, j'ai pensé à... Je pense qu'il joue à Magic. Fait que là, je te donne un paquet cadeau. Ça date de 2010. C'est sérieux. T'es... Fait qu'il y a peut-être, des rares qui vaut fuck. Ben ouais, Return to Ravnica, c'est quand même un gros set. Là, puis pour les gens qui comprennent rien, là, on peut-tu expliquer qu'est-ce qu'il en a de se passer? Mais pas pour les autres. Donc, on sait c'est quoi, c'est pas grave pour les gens. Magic the Gathering, le jeu. Et puis là, il y a plein de cartes. Donc, il y a plein de cartes qui sortent depuis 25 ans, je crois. Puis ça, c'est une série. Ça fait depuis 93, je pense. Ouais. Ouais, puis que là, ça, c'est le set. Dans le fond, ils sortent 4 sets par année, à peu près, de cartes, de genre 300 cartes. Fait que là, ça, c'est un set. Toutes les sets, ils ont des noms? Toutes les sets ont des noms. Il y a des thématiques, il y a des histoires qui suivent. Lui, es-tu comme full connu en particulier? Ben, c'est un set dont j'ai entendu parler. Je pense que j'ai quelques cartes de ce set-là. Quand le Ghost Protocol, ça se passe. C'est un des sets qui est quand même connu. Là. C'est un beau cadeau là, parce qu'il y a peut-être de quoi là-dedans qui vaut 70$. Ah ouais, piastres. Exact. Ah, non, oui. C'est la loterie. Là. Je sens le... J'ai jamais vu cet emballage-là non plus. Fait que c'était au States, t'as acheté ça? Ouais, ben en fait, les paquets comme solo, tu peux comme les acheter. Ils vendent pas comme dans le petit plastique, ils vendent dans un autre emballage de papier. Pour comme, mais tu les gardais-tu emballés pour qu'ils gardent toute leur valeur? Non, c'est juste que ça faisait longtemps que je les avais pas ouverts. Puis là, je les ai découverts dernièrement. J'ai fait comme, je vais peut-être les ouvrir comme dans une vidéo YouTube. Parce qu'ils sont vieux, les paquets. Il y a peut-être des affaires super rares. Puis là, ça presse pas que je les ouvre là. Fait que je les ai comme pas ouverts. Mais toi, tu joues-tu? Ben oui. OK. Encore, ça, c'était une réponse assez simple. T'as vu jouer sur Twitch. Depuis tout ce temps-là. C'est quoi? Tu l'as pas ouvert depuis tout ce temps-là? Non, non, non. Ouais. Ben, j'ai genre pas loin de 6-7 000 cartes. Tabarnak, OK, je suis content. Non, non, j'en ai en crise. Il a flippé out. Mais là, Jeff, quand il embarque dans quelque chose, moi, je joue pas mal, mais je joue Commander. Commander? Toi, tu joues-tu Commander? Ben, je veux commencer Commander. Ah, ben oui. Je connais personne qui n'ont pas commencé à jouer Commander puis qui ont arrêté toute la vie. Je pense qu'on va jouer ensemble à un moment donné. Hey, non, mais peut-être que c'est pas le moment de virer complètement geek. Là, c'est mais... le moment. Moi, j'aime ça. C'est super. Oh, c'est le moment, Chris. C'est le moment. C'est la première fois que j'entends les deux gars se dire. C'est le moment geek. Derrière ces lunettes, ils vont faire ça commando. Moi, je capote. Je suis comme, wow, les gars. Mais t'as commencé à jouer quand à Magic? Ben, moi, je jouais quand j'étais au secondaire. J'avais un petit côté geek. Fin primaire, début secondaire, genre, moi j'ai genre lu Lord of the Rings avant que ça sorte, mais j'étais ben trop jeune. Avant que ça sorte, ils y ont donné. Avant que les livres sortent. Aucune, j'étais comme Chris. C'était kid là. Non, mais gars, j'avais le draft. J'étais comme, il est pas sorti encore. Le draft de Tolkien. Ah non, il m'a envoyé un email. On était de même. Moi pis le vieux monsieur. J.R.R. Ah ouais. Il était grand. J'étais petit de même. Ouais, non, je jouais quand j'étais au secondaire à Magic, puis c'est ça, je lisais un petit peu de genre de littérature fantastique, puis tout ça. Puis après ça, j'ai commencé à plus faire du rap, puis de l'impro, puis c'est pas mal les plus gros ennemis des joueurs de Magic. Ouais, je comprends, là. C'est pas mal les rappers, puis les improvisateurs, là. Ouais, c'est genre... Puis, fait que j'ai arrêté complètement, puis récemment, depuis peut-être 2 ans, genre, avec Dead Obies, on était en tournée, on cherchait de quoi faire, puis j'ai ramené malade. Ça. Oh, t'as bring back the machine. Ah non, mais ils sont tombés bien plus creux que moi, man. Wow! C'est ça qui arrive. Oh, ouais. C'est malade, man. Oh, ouais, non, j'ai créé des estis de problèmes, man. Tu sais, les gars, mais j'ai gagné, là. Oh, ouais. Les gars, mais j'ai gagné, là. Quiz is on fire. Mais t'as vu? Il est dans son élément, en estime. Ah ouais, il est chill au bout. Il est juste là, Quiz. Il attend la fin, il fait 10 minutes. Je ne perds d'os. Ouh, là, tout le monde est comme... Non, mais OK, fait que vous jouez quand, genre, après le soundcheck, vous avez rien à coller ou des affaires de même? Ouais, exact. Ça a commencé de même, mais c'est devenu comme un problème, même au niveau de la productivité. On se voit pour travailler. Mais on parle de Magic. Finalement, on joue à Magic, pour vrai, parce qu'on n'est pas capable de s'empêcher. Mais de... c'est tellement un money pit, là. Ouais, c'est terrible. Ouais. Moi, j'ai arrêté complètement de dépenser, là. Maintenant, je suis en mode... Tu voles. Je vais vendre. Non, mais regarde, je me suis dit la même affaire avec plein de plages, je te donnerai des...